Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Saint-Louis-Marie. Permets, quand nous détachons des biens de la terre, nous rendions toute gloire à ton nom saint et puissant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Pour notre cœur, nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce et de magnifier ta miséricorde toujours et en tout lieu. Père très saint, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux pauvres les mystères de ton royaume par le Christ notre Seigneur. Tu as formé Saint Louis-Marie à l'école de la divine sagesse, pour que, poussé par le souffle de l'Esprit, il prêche à ton peuple la sublime folie de la croix. Consacré entièrement à toi par amour, ayant au cœur la vraie dévotion à Marie, il a appelé tous les hommes à renouveler dans la foi la splendeur de la grâce baptismale. C'est pourquoi, rayonnant de la joie pascale, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. Amen. Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d'entre les morts. Amen. Jésus, Messie triomphant, nous rappelons un jour de ta venue dans la gloire. Amen. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, Saint Jean-Paul II, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Alain, qui préside notre Eucharistie. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde, particulièrement les victimes de la violence, et dont tu connais la droiture, nous te prions.
reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme le Seigneur nous l'a appris, d'un seul cœur, dans la confiance, nous nous tournons vers le Père. Notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
heureux, les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Acclamons le Seigneur. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi, afin que, totalement consacrés à toi par amour, nous puissions toujours témoigner de la sagesse divine. À l'exemple de Saint Louis-Marie, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Au nom du Conseil du Sanctuaire et en tant que responsable, je tiens à exprimer aujourd'hui nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à tous ceux qui sont présents dans cette célébration, à tous ceux qui suivent cette célébration par la radio RCF, par la télévision et via Internet. Permettez-moi de mentionner quelques noms et quelques groupes. Avant tout, je m'adresse à vous, Monseigneur Alain Casté. Merci beaucoup d'avoir accepté de présider cette célébration du tricentenaire de la mort du Père de Montfort. C'est une grande joie pour nous, votre présence avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup au vicaire général, le Père Jacques Gomard, vicaire général du diocèse de Luçon, le Père Jean-Paul Russel, vicaire général de Poitiers. Grand merci aussi aux trois conseils généraux, Sœur Louise Mador, supérieure générale du Fier de la Sagesse et son conseil, le frère John Calaracal, supérieur général du frère de Saint-Gabriel et son conseil, le père Jörg Henrique, représentant de notre supérieur général, père Santino Bremilla, de la Compagnie de Marie. Merci également aussi aux trois conseils provinciaux de la France, sœur Marie-Françoise Vivien, provinciale des Filles de la Sagesse et son conseil, le frère Claude Marchaud, provincial des Frères de Saint-Gabriel et son conseil, le père Olivier Maire, provincial de la Compagnie de Marie et son conseil. Merci aussi à tous les curés des paroisses où Montfort a prêché, à tous les prêtres des différents pays qui sont présents, et à nos diacres et aux religieux et religieuses de la Vendée et d'autres diocèses. Merci également aux servants d'hôtel et aux hospitaliers et hospitalières montfortains, à la Fraternité Mariale Montfortaine et à tous les amis de Montfort. Un grand merci à l'IMV, aux animateurs, à nos organistes et à tous ceux et celles qui ont préparé cette belle célébration. Nos chants, nos musiques, la transmission radio,
l'équipe technique de la radio RCF et de la télévision KTO. Merci en particulier à tous les groupes qui ont beaucoup travaillé pour le Tridium. En particulier, je mentionne la RISL, la Rencontre internationale de Saint-Laurent, qui s'occupait de l'accueil et de la logistique. J'aimerais remercier chaleureusement toutes les délégations venant des autres pays, notamment Haïti, qui a fait une belle procession d'offrandes, les États-Unis, la Colombie, le Pérou, le Canada, la Thaïlande, l'Inde, la Malaisie, la Pologne, l'Italie, la Belgique, l'Irlande, le Danemark, Burundi, l'Indonésie, Philippines, le Congo, le Centrafrique, le Sénégal, le Malawi et Madagascar. Enfin, je remercie également la délégation du conseil municipal avec M. Maudet, maire de Saint-Laurent-sur-Sèvre, et du conseil départemental avec M. Guillaume Jean et aussi Mme Véronique Bessé, députée maire des Herbiers. Aujourd'hui, nous avons reçu du père de Montfort un message spirituel. C'est à nous de le vivre et d'annoncer aux autres ce que nous avons vécu, ce que nous avons reçu pendant ces 4 jours. Pour tous ceux qui vont rentrer, bon retour et bon voyage. Merci beaucoup de votre présence. Notre prochain rendez-vous sera le 11 septembre à Pontchâteau pour la clôture du tricentenaire de la mort du père de Montfort. Mais avant cela, il y aura d'autres manifestations à Montfort-sur-Meux au mois de mai. Vous pourrez consulter les détails sur le site et sur les feuilles déposées au fond de la basilique. Encore, bonne fête à tous et à toutes et merci beaucoup. La suite de notre programme à 14h30, il y aura la réunion de la Fraternité Mariale Montfortaine à la crypte. À 18h, les vêpres ici à la basilique. Et à 20h30, le spectacle sur les pas de Montfort au Saint-Gabriel. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, notre Père, qui nous a réunis pour célébrer aujourd'hui la fête de Saint Louis-Marie, vous confirme dans votre engagement de fidélité à son appel. Amen.
Que le Christ Seigneur, qui a inauguré son royaume par la foi de la Vierge, vous donne de servir Dieu et le prochain avec la promptitude et la générosité de Saint Louis-Marie. Que l'Esprit Saint qui a enflammé l'âme missionnaire de Saint Louis-Marie fasse de vous des témoins authentiques de la vie pascale pour ceux que vous rencontrerez sur votre route. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je chanterai.